Voilà, pas. J'ai fait ce que tu voulais. T'avais jamais vu cette ville de ta vie, et je sais pas pourquoi tu voulais qu'on répande tes cendres au vent, mais ça a été fait. On n'a jamais été bien proches l'un de l'autre, mais j'ai l'impression que maintenant, je peux te dire tout. Je pense pas que je vais rester longtemps à Barbier, à l'Armadillo. Judith le sait pas encore, mais je compte vendre la boutique. On a entendu parler de gisements d'or à New Mexico. Je pense que je vais tenter ma chance là-bas. Ça me tente pas de finir comme toi, mort d'une balle dans le ventre. Les gens de New Austin deviennent complètement fous. Et le gouvernement, il prend pas des pincettes pour répondre à ça. Repose en paix, papa. Dustin, on rentre. Allez, viens par là. Oh là, oh là, du calme. Du calme, Dustin. J'espère que j'ai pas loupé beaucoup de clients. Parce que ça peut me faire, moi. Mais Judith, c'est notre histoire. Je sais pas ce qu'elle va penser toute cette histoire d'or à New Mexico. De toute façon, cette fois-ci, je suis décidé. Faut juste lui faire passer le morceau. Je vais retirer un bon petit pécule avec la vente de la boutique. Allez, un peu plus vite, mon petit. Salut, Monsieur Peterson! Allez, faut qu'on rentre avant midi. Si elle se rend compte que la boutique est restée fermée jusque-là... Personne sur les routes. C'est mauvais pour le commerce, ça. Armadillo. Parfait. Voilà, voilà, voilà. Il y a toujours des enfants qui jouent à cette heure-ci. Il faudrait pas qu'on les renverse. Demande quand c'est qu'on aura de nouveau un pasteur pour la vieille église. Dans quelques années, cette ville sera morte, à mon avis. Ville fantôme. Il vaut mieux se casser maintenant, tant que je peux et tant que je suis jeune. Salut, Billy! Monsieur Johnson! Monsieur Hank. Hey Hiram, faudrait que tu passes à la boutique, t'as besoin d'une petite coupe. Alors je retrouve Judith maintenant. Judith, Judith, Judith. Ça va, chérie? Oui, ça va bien. Et toi, mon ami? Ah oui, oui, oui. On n'a pas eu trop de monde pour la boutique? Non, pas trop, pas trop. Mais... Oui, Judith? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de moins en moins de monde, d'ailleurs, qui viennent voir. Mais... Faut pas que tu te fâches pour ça, Judith. Non. Mais il y a quelque chose que... Tu veux aller boire un verre? Viens avec moi, oui. Très bien. Il y a un homme qui est venu te me voir, te demander. Oh, un client peut-être? Un certain Red van der Leyen. Red van der Leyen? Oui. Ça ne me dit rien du tout, Judith. T'es sûr que c'est pas un client, un colporteur? Ça m'étonnerait, sa barbe, elle était parfaite. Sûrement pas pour. Un citadin, tu veux dire? Oui, un citadin. C'est bizarre, ça. Écoute, attends-moi ici, je vais commander. D'accord, je t'attends, monsieur.
Bonjour, ma chérie. Pardon, mademoiselle. Je vais te barbier. Hein. Vous avez pas rangé ma femme avec moi juste là. Oh, laisse-la. Tu vas voir, je fais des trucs beaucoup plus intéressants. Madame, je ne mange pas de ce pain-là, si vous me permettez. Ce pain-là, il est beaucoup moelleux, tu dis ta femme. Oh, c'est Anke et Pete. Bonne partie de poker. Oh, Herman n'est pas là. C'est malheureux, ça. De toute manière, ça nous fera toujours des économies. Judith, chérie. Et mon amour. Cet étranger t'a-t-il donné un message pour moi ou il a dit qu'il nous attendait quelque part? Non, simplement qu'il te cherchait. Il m'a rien dit par rapport à l'endroit où il se trouvait. Écoute, Judith, je sais que tu dois encore travailler à la blanchisserie, mais ce soir, essaye de déblocher plus tôt. Il faudra que je te parle à propos du magasin de barbier, si tu veux bien. Oui, il y a un problème par rapport au magasin? Non, chérie, rien de grave. Tu verras ce soir. D'accord. Je t'aime. Je t'aime, Judith. On se revoit ce soir. Travaille bien. Je t'en prie. Hey, Wallace. Tu n'aurais pas vu un certain étranger, hein? Red van der Linde? Une tête pas d'ici. Non? Bon. C'est la boutique qui m'attend. Pas possible, c'est un étranger. Van der Linde. Ce nom ne me dit rien. Oh nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore des gamins qui ont vandalisé la boutique. Non, tout à l'heure, tranquille. Salutations, messieurs. Vous venez pour la coupe des barbiers? Je vais ouvrir dans une minute, hein. Laissez-moi juste le temps de faire le tour. Et je vous rafraîchis ça en vitesse. Arrête Van der Linde. Sûrement qu'il repassera si c'est important. Bon. Voyons voir. Dure journée de travail maintenant. Salutations, Arnold. Dis-moi, je vais te demander. Attends, reste là, reste là. Tu n'aurais pas vu un certain Van der Linde? Nouveau en ville, non? Bon, que veux-tu? Sacré étranger. Mentalité de la ville, ça. Ils veulent vous voir, mais ils ne disent rien à propos de quoi.